Eux, ils sont prêts. Et vous, vous êtes prêts? Allez, on va allumer les buzzers de Sylvain, de Jean-Louis, de Cécile et Emmanuel. OK, on peut y aller. Première question. Quel est ce mot composé, comportant l'adjectif de couleur, qu'on emploie pour désigner un bon cuisinier ou une bonne cuisinière? Jean-Louis. Cordon bleu. Et ça, c'est drôle. Jean-Louis, on en parlait tout à l'heure. Vous m'avez dit, j'ai un cordon bleu à la maison. Exactement. Que je vais saluer. Est-ce que je peux... Ah ben, elle s'appelle Laure. Et... Laure. Et je la remercie beaucoup. Voilà, et bravo. Et cordon bleu est la bonne réponse. Ça, c'est amusant. Un premier point pour Jean-Louis. Pour deux points, quelle ancienne colonie britannique devenue membre du Commonwealth a pour capitale... Malte. A pour capitale Nassau. Manuel. Bahamas. Bahamas me donne la bonne réponse. Les Bahamas, capitale Nassau. Première question à 3 points. Quel hobbit est incarné par Elijah Wood dans la trilogie Sylvain? Frodon. Exactement, okay. Frodon Sackey, oui. Alors c'est très drôle, ça n'arrive jamais. Vous savez, au début de l'émission, j'échange avec les candidats. Avec Jean-Louis, on a parlé de cordon bleu, boum, la question arrive cordon bleu, ça c'est le hasard des questions. Et Sylvain est un passionné de l'univers du Seigneur des Anneaux. Et on voit aussi une question avec... C'est Frodon. C'est drôle ça, c'est vraiment étonnant. Frodon Sackey. Et il y avait 3 points. Qui vont à Sylvain? Un peu de botanique? Quelle plante? Plante aux couleurs, aux fleurs de couleur vives de la famille des composés tient son nom du naturaliste du 18e siècle. Manuel? Le bégonia? Non. Gerber, c'est le nom du naturaliste. Gerberia. Le? Gerberia. Non. Gerberia. Non, non. Cécile? Gerbera. Gerbera, oui. Bravo. Un point pour Cécile. On continue. Et maintenant, écoutez ceci. Qu'est-ce que c'est ? Je vous l'explique et je vous pose la question. C'est un extrait de la bande originale du film Les plus belles années d'une vie qui constitue le troisième volet de la série Un homme et une femme entamée il y a 53 ans. À quel compositeur ? Jean-Louis. Jarre ? Non. Déjà, Emmanuel ? Cosma ? Non. Auteur de la BO Sylvain ? Le Grand ? Non plus. De Un homme et une femme ? Doit-on en collaboration avec Calogero la musique de ce film sorti en 2019 ? C'est le compositeur qui a signé la BO d'Un homme et une femme. C'est... Bravo, je l'entends. Madame Francis Lay, 2 points pour Madame avec les lunettes. Ah, très bien, félicitations. Quel nom maintenant, dites-moi, Manuel, Cécile, Jean-Louis, Sylvain, porte la partie la plus élevée de l'atmosphère où les... Manuel ? La stratosphère ? Non. Où les atomes légers échappent à la pesanteur... Cécile ? Ionosphère ? Pas la ionosphère, à la pesanteur. Et c'est... Jean-Louis ? Troposphère ? Non plus. Et s'évade dans l'espace interplanétaire. Donc c'est la partie la plus élevée de l'atmosphère, Sylvain ? L'ozone ? Non. Je repose la question au public, puisque je vois... il y a pas mal de bonnes réponses qui viennent. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? La partie la plus élevée, c'est l'exosphère. Exosphère. On continue. Quelle sorte de manteau ample porté sur l'aube par le prêtre pour célébrer la messe ? C'est Sylvain. Chasuble ? Qui me donne la bonne réponse. La chasuble. Cette sorte de manteau ample qui change de couleur suivant le temps liturgique de la messe que nous évoquions à l'instant, chasuble, très bien. Sous le Premier Empire, histoire, comment appelait-on un militaire en non-activité ? Manuel ? Un grognard ? Non, en non-activité recevant la moitié de sa rémunération. Jean-Louis ? Un demi-solde. Excellent, oui. Ah, je ne vous ai pas dit ce que faisait Jean-Louis avant. Officier de gendarmerie. Jean-Louis, félicitations, 2 points. Quelle série télé dans laquelle Samuel Le Bihan incarne un policier à... Manuel ? Alex Hugo. Oui, bien joué, c'est revenu. A pour cadre les paysages de montagne des Hautes-Alpes, Alex Hugo, la série télé, oui, il y avait 3 points, ils sont pour Manuel. En médecine, quel mot du grec algos désigne une douleur vive ressentie sur le... Manuel a pris la main. Une lombalgie ? Non, une douleur vive ressentie, Cécile. Une algie ? Non, ressentie sur le trajet d'un nerf sensitif. Sylvain ? Fibromyalgie ? Non, il reste Jean-Louis dans la course. Médecine, quel mot du grec algos désigne une douleur vive ressentie sur le trajet d'un nerf... Jean-Louis ? J'aurais dit algie, mais... Non, vous n'êtes pas loin tous. Névralgie. Voilà. Ah, névralgie. Vous n'êtes pas loin. Le nerf. Névralgie.
En 1941, vous le connaissez. Quel est cet alpiniste et grand reporter? Manuel? Frison Roche. Roger de son prénom. Frison Roche. Publie le roman, le plus connu, Premier de Cordée. Hein. Un classique, premier volet d'une trilogie sur la montagne. Et regardez, Manuel est en bonne voie, notre quadruple champion, pour se qualifier pour la deuxième manche, mais rien n'est fait. Quel est cet insecte carnassier des eaux stagnantes d'Eurasie, à la piqûre douloureuse, qui est également appelé scorpion d'eau? Manuel? Le ditique. Non. Non, c'est alors. Donc, on l'appelle le scorpion d'eau, il a une piqûre douloureuse, Jean-Louis Abeuzet. Scolopendre. Non. C'est le même genre de bête pas sympa. C'est la NEP. N-E accent grave P-E. Dans le domaine de la téléphonie, autre chose maintenant. Quelle technologie de connexion sans fil? Manuel. Le Wi-Fi? Ah non. Cécile? Non. Non? Est désigné par un nom anglais déposé signifiant dent bleue en anglais. Oh, oui. Bluetooth. Bluetooth. La dent bleue. Sylvain, Jean-Louis, Cécile, Manuel, regardez cette image et je vous pose une question. Quelle ville du sud-ouest? Oh, Sylvain. Bordeaux. Oh, ah oui, oh là là, pas Bordeaux. Le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre. Ouais. C'est ça, oui, Jean-Louis, c'est ça. C'est le Grand Théâtre. Oui, ben, c'est pas immédiat. Alors là, Sylvain, mais Sylvain, là, vous n'êtes pas résident aujourd'hui, mais quelque chose me dit que vous avez été du côté de Bordeaux. J'ai vécu, j'ai étudié à Bordeaux. Je vois, parce que là, Sylvain, il était... C'est pour moi. Quelle ville du sud-ouest abrite le Grand Théâtre que vous venez de voir et dont la corniche est surmontée, on la voit ici d'ailleurs sur la photo, de 12 statues figurant les déesses Junon, Vénus et Minerve ainsi que les 9 muses. C'est pas là qu'il y a la très belle fontaine aussi, pas très loin Du côté de la berge. C'est pas tout à fait là, c'est un peu plus loin. C'est pas très loin. Bordeaux, et Sylvain, bien joué, Sylvain il est bien dans la course, regardez. Quelle est la nationalité, c'est du sport, du pilote automobile Ott Tänak, champion du monde WRC des rallyes en 2019? Cécile. Finlandais? Non. Ça aurait pu parce qu'ils sont très forts, mais c'est pas ça. Nationalité de ce pilote automobile, il s'appelle Jean-Louis. Letton? Non. Ott Tänak. Manuel. Lituanien? Non. Sylvain? Israélien? Ah non. Ah non, non. Et en fait, il fallait suivre Jean-Louis et Manuel. Oui, ils étaient sur la bonne piste. Bravo. Ça au hasard. Oui, mais on était dans la bonne région. Pas l'orthographe. On était dans les états bas. Il en manquait un, Sylvain. C'était celui-là qu'il fallait donner. Estonien. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous savez que les Français ont été archi-dominants hein, dans le domaine hein, du rallye. Il y a eu Sébastien Loeb, il y a eu Sébastien Ogier. C'était même la première fois depuis 15 ans qu'un champion du monde n'était pas français en rallye. Et donc, c'est donc un Estonien, on l'a compris. Tout autre chose maintenant, on parle de gastronomie au début de cette émission avec Jean-Louis et avec Sylvain. Quelle volaille, spécialité des élevages de Bresse et des Landes, Manuel? Le poulet? Non. Est un jeune... C'est Sylvain qui a pris la main. Poularde? Non, un jeune coq castré et engraissé. Jean-Louis. Chapon. Et boum, bonne réponse. À la chair tendre, c'est le chapon. On continue cette première manche disputée. Un peu de musique, tiens. Dans un tube de 1983, quel chanteur né dans la province wallonne du Hainaut affirmait « Je suis Rital » Jean-Louis. Adamo. Non, et bataille de buzzer remportée par Manuel. Frédéric François. Ah non, non, non. Et Sylvain. Claude Barzotti. Je suis Rital et je le reste. Barzotti. Oui. Non, le verbe. Ça a été un tube, ça. Manifeste. Ah, 83, ça remontait un petit peu. C'est pas revenu tout de suite. Sylvain, vous l'aviez. Alors, vous n'étiez pas né en 83, Sylvain. C'est du cinéma maintenant. Nous sommes en 2010. Quel film d'animation dont l'action se déroule à la Nouvelle-Orléans? Maintenant, Manuel. La princesse et la grenouille. Et la bonne réponse. Et ça vaut 3 points. Et ça vous envoie, Manuel. Oui. En deuxième manche. Eh oui. Manuel était à 7. La question valait 3 points. La princesse et la grenouille. Quand on a 4 garçons à la maison, peut-être que ça aide un petit peu. Un petit peu. Il a été visionné un petit peu le... Au cinéma, mais pas après en DVD. Ouais, sympa l'histoire. La princesse et la grenouille. Manuel, bravo. Notre champion qui va pouvoir donc continuer à rêver d'une 5e victoire ce soir. 2 places encore à prendre. Vous êtes tous les 3, Cécile, Jean-Louis et Sylvain. Sylvain un peu plus encore. Dans la course. En politique, quel mot latin de 4 lettres signifiant « je m'oppose » désigne... Sylvain ? Veto. Veto ! Oui ! Et je ne mets pas mon veto, Sylvain, vous êtes qualifié. Veto !
Quel mot latin de quatre lettres signifie « je m'oppose » qui désigne l'acte par lequel une autorité peut s'opposer à l'entrée en vigueur d'une loi? Un président, par exemple, qui met son veto à l'entrée en vigueur d'une loi. Il me reste une place. On joue pour 3 points. Jean-Louis en tête avec 5 points. Cécile peut remonter très vite à coup de 3 points. Attention, c'est parti. En 1970, pour quel roman Michel Tournier a-t-il, Jean-Louis ? Le roi des aulnes. Et la bonne réponse. Le roi des aulnes, 3 points, oui. A-t-il reçu le prix Goncourt à l'unanimité du jury ? Cécile, accrochez-vous. Attention, Jean-Louis n'est qu'à un point de la deuxième manche. Comment nomme-t-on la période proto-historique associée aux civilisations de Hallstatt et de la Tène qui a succédé à l'âge du bronze ? Comment on nomme cette période proto-historique qui a succédé, Jean-Louis ? Du fer. C'est l'âge du fer. Jean-Louis, vous êtes qualifié en deuxième manche. Je vous perds, Cécile. Mm. Je vous perds. Mm. Mais peut-être pour mieux vous retrouver plus tard, une autre fois. Oui. D'accord. Oui. Vous serez toujours la bienvenue, Cécile. Oui. Un grand merci encore. Merci. Et à la prochaine, donc. Oui. Bon retour à La Rochelle et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150€ sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Grâce à ce livre et ce coffret, vous aussi devenez mentaliste. Maîtrisez à votre tour l'art fabuleux de l'illusion, relevez les défis proposés et étonnez vos proches autour d'expériences ludiques. Avant d'aller plus loin, on a une jolie somme, on a 50 000€ à vous faire gagner à la maison avec cette question. Quel animal ulule ? 1, la chouette, 2, le hamster. 32-43 pour le téléphone et par SMS 52-7-10-20, tirage au sort, tout est écrit ici parmi toutes les bonnes réponses. Jean-Louis, félicitations. Sylvain, bravo. Manuel, notre champion, est qualifié également pour la deuxième manche.